national Mesa, paru sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ainsi que sur un texte de Béatrice Richard, paru sur le site de la Fondation Lionel Groulx. Le Canada, entré en guerre automatiquement derrière la Grande-Bretagne en août 1914, a d'abord eu recours au volontariat. Mais en 1918, cela ne suffit plus. Malgré des promesses contraires, le gouvernement fédéral passe la loi du service militaire en juillet 1917, obligeant tous les hommes âgés de 20 à 35 ans, célibataires ou sans enfants, à s'enregistrer auprès des autorités. Bien que les résultats de l'élection fédérale de décembre 1917 aient clairement démontré l'opposition des Québécois à la conscription, ils donnent cependant la légitimité au gouvernement fédéral de l'imposer. Elle débute donc le 1er janvier suivant. Les comportements inacceptables de ce qu'on appelle les spotters, ces individus chargés de retrouver les conscrits récalcitrants, suscitent une vague de manifestations majeures à partir du 28 mars 1918. Durant les 5 jours qui suivent, des milliers de manifestants prennent d'assaut la rue, déclenchant ce qu'on appelle les émeutes de Québec de 1918. Les efforts d'apaisement des autorités locales et de certains leaders canadiens français se butent à la volonté d'Ottawa. Le gouvernement fédéral craint que les émeutes dégénèrent en insurrection générale et il s'obstine à utiliser la force pour briser le mouvement. Sous le commandement du major général François-Louis Lessard, le plus haut gradé francophone des forces fédérales, la cavalerie et l'infanterie en provenance de l'Ontario et du Manitoba quadrillent les rues de la basse-ville le soir du lundi 1er avril 1918. Un peloton se tient à l'embranchement des rues Saint-Joseph, Bagotte et Savalier, dans le coin du Somme actuellement. Après une brève sommation en anglais, les soldats tirent sur la foule avec une mitrailleuse. Atteint par des balles explosives, Édouard Tremblay, Jean Desneux, Honoré Bergeron et Alexandre Bussière succombent. Des dizaines de personnes sont également blessées. Selon ce que révèle l'enquête du coroner, ces victimes n'étaient que de simples citoyens non armés qui passaient par là, au mauvais endroit et au mauvais moment. Le maintien de l'ordre par les 2000 militaires envoyés à Québec s'applique ensuite avec toute sa sévérité. Les soldats ont ordre de tirer pour tuer, sauf que PO. Une arrestation a lieu. Le 4 avril, le gouvernement Borden applique la loi martiale à Québec et suspend l'habeas corpus. Une présence militaire massive se fait ensuite sentir pendant de longs mois. Les émeutes de Québec ne sont pas l'expression d'une rage inopinée, mais bien le débordement annoncé d'un sentiment d'injustice généralisée. Car au-delà des joutes oratoires qui opposent impérialistes anglophones et nationalistes francophones, une réalité demeure, souvent oubliée, celle du peuple qui voit son quotidien complètement bouleversé par la conscription. À l'époque, le Québec demeure largement une société rurale, de type pré-industriel, qui domine une agriculture de type familial, faiblement mécanisée, laquelle nécessite une main-d'œuvre masculine abondante. Par conséquent, toute fonction inconsidérée sur cette ressource humaine risque de mettre en péril l'équilibre socio-économique de la province. Les lettres de demande d'exemption envoyées au général Landry en 1918 témoignent du désarroi que sème la conscription dans ces milieux fragiles et de ses effets concrets sur l'économie familiale. Aujourd'hui, le monument Québec printemps 1918, Hélène Martineau, érigé le 4 septembre 1998 au coin de ses rues Bagotte, Saint-Joseph et Saint-Vallier, sur le lieu de la tuerie, rappellent le caractère dramatique des événements survenus à cette époque. Il est encore aujourd'hui nécessaire de se rappeler que le gouvernement canadien a toujours refusé de s'excuser sur son attitude à cette époque et qu'il n'a jamais voulu indemniser les familles des victimes. Les conclusions à tirer de cet événement tragique restent les mêmes aujourd'hui que le 21 décembre 1917, lorsque le député de Lotbinière, Joseph-Napoléon Francoeur, déposait sa motion à l'Assemblée législative du Québec en plein débat sur la conscription. Je cite « Que cette Chambre ait d'avis que la province de Québec serait disposée à accepter la rupture du pacte confédératif de 1867 si, dans les autres provinces, on croit qu'elle est un obstacle à l'union, au progrès et au développement du Canada. » Je demanderai de respecter une minute de silence en mémoire des victimes de la terrible 1918, Honoré Bergeron, Alexandre Bussière, Édouard Tremblay et Georges Desneux. Au nom de la Société canadienne, reconstituée, je vous remercie de votre présence à l'école de mémoire collective. Thank you.
l'air de dire comment je suis dans l'autre côté, je ne pas. Alors,